Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je prends une petite minute de votre temps pour vous parler d'un projet que j'ai décidé de participer pour le mois d'août 2021. En gros, j'ai décidé de participer à ce qu'on appelle le Great Cycle Challenge. C'est une organisation qui rejoint des milliers de cyclistes partout au travers du monde. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que durant le mois d'août 2021, on va pédaler pour ramasser des dons pour la recherche pour le cancer infantile. Donc, de mon côté, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Si je me suis fixé un objectif de 300 km, c'est quand même un bon mois en vélo de montagne. Je suis certain que je suis capable de faire ça. Et je me suis fixé un objectif de 1 000 $ de dons. Je ne sais pas si c'est possible de rejoindre ce montant-là. On va essayer, puis c'est là que je demande votre générosité. Je ne demande pas personne de donner 20 $ ou 50 $, faites-vous-en pas avec ça. Mais si vous seriez capable de donner juste un petit dollar ou deux, je rejoins quand même quelques milliers de personnes au Québec, en France, en Belgique. Ça fait que si tout le monde pourrait donner juste un petit dollar ou deux, ça pourrait immensément m'aider à atteindre mon objectif. Je suis certain qu'on est capable de faire ça durant tout le mois d'août 2021. De mon côté, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais redonner 50% de tous les profits que je fais avec Freeride Québec durant le mois d'août 2021 à la fondation Great Cycle Challenge. Tu sais que ça va pas, je fais un petit peu de sous avec les publicités sur les vidéos YouTube. C'est pas des très gros montants, je vous avertis, mais chacune des views qu'il va avoir durant le mois d'août, que ce soit 15 000, 20 000 ou 25 000 views, chacun des vidéos que vous allez écouter va m'aider à ramasser un petit peu de sous. Donc à la fin du mois, je vais regarder combien j'ai fait de publicités, je vais en redonner 50% en mon nom à la fondation Great Cycle Challenge. Donc, je vais vous mettre le lien juste en bas de la vidéo. Ça va m'amener sur ma petite page personnelle de Freeride Québec qui va vous dire mon objectif, qui va vous dire combien je vais ramasser et combien j'ai ramassé à ce jour. Si vous voulez savoir où est-ce que j'en suis rendu dans le challenge des 300 km, vous pouvez me suivre sur Strava. C'est l'application qui va nous aider à suivre le kilométrage. Et sur ce, ben, je vais vous dire un immense merci d'avance pour votre générosité. Je suis certain qu'on peut faire ça tout le monde ensemble. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut guys!